Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxime Moulin et on se retrouve pour le début de la Soyuz Devi Rally Move Edition. Donc on se retrouve sur le menu principal. C'est la deuxième tentative que j'essaie de faire cette vidéo, il y a toujours évidemment des emmerdes, je sais pas. Les Soyuz Quantic Dream, il y a toujours, c'est des Soyuz de malheur, j'arrive jamais à les faire tranquille. Voilà, donc ça c'est ma première tentative, mais allez on va refaire. Donc nouvelle partie, on remplace ça. Oui. Donc Quantic Dreams qui ont fait récemment Beyond Two Souls, pour ceux qui ont joué, et qui avaient fait Fahrenheit, que j'ai jamais pu terminer, il y a toujours des emmerdes. Sonic Computer Entertainment. Donc là, on se retrouve pour un bon super jeu, là, vous allez voir. Oh non, s'il y a les chats qui viennent pour m'emmerder, je pète un câble. Là, je commence à en avoir marre, il y a toujours une emmerde. Samedi 11h22. C'était l'époque où j'étais encore chauve. Oui, je dézoome un petit peu parce que j'avais pas vu à quel point Walouf. Voilà, pour que vous puissiez mieux voir. Donc pour interagir, effectuez l'action indiquée avec le joystick droit. Pour effectuer l'action lentement afin de mieux appréhender la vitesse d'animation. Alors, donc voilà, pour pivoter de gauche à droite, voilà. Allez, on va un petit peu marcher. Ouais. Ouais. Le mec, il sait pas où aller. Donc là, je vous rassure, il n'y aura pas de barre de morale dans celui-là. Et dans cette solution, je vais souvent me taire. Vous verrez pourquoi. Bon, vas-y, allez, on avance un petit peu. Quel beau temps pour la saison. Ouais, bon, allez, vas-y, on rebousse chemin. Et le mec, il retourne se coucher là ensuite. À tout moment, écoutez les pensées de personnage en appuyant sur... Voilà. Je vais aller prendre une douche et m'habiller avant de descendre. Oh bordel. Donc allez, on va prendre une douche. Putain, j'ai une oreille de bouche. Je suis parti faire des courses. Je passe prendre les enfants à l'école à midi et je rentre préparer l'anniversaire de Jason. Ne travaille pas trop. Je t'aime. Moi aussi. Un petit oiseau. Bon, alors, où est-ce qu'on pourrait aller? En toute logique, dis donc. On va pas prendre la douche tout de suite, c'est pas marrant sinon. On va faire un petit peu de jonglage. Wesh. Voilà. 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 C'est du beau jonglage, c'est même Michel qui jongle. Allez, on repose. On va pas faire du jonglage toute la journée, c'est moi qui vous dis. Pourquoi il y a un putain de tipi ici? Bon, bah, allez savoir. Donc ça a l'air d'être la chambre des enfants. Donc voilà, pour l'instant, on incarne un père de famille. Ouais, vas-y, et si je descendais? Le mec.
Je vais aller prendre une douche et m'habiller avant de descendre. Ouais, mieux. Donc là, il y a une bagnole qui passe. Et si je pissais un petit coup? Le mec, il tire quoi, là? Parce qu'il a l'air d'avoir un caleçon normal et pas un slip kangourou, donc... je me pose. Ouais, c'est bizarre. Je sais. Ça va, l'oiseau? Tu mates bien? Bon. Eh, poum poum. Donc là, on met un petit peu de dentifrice. Et alors, se brosser les dents. Allez, on secoue. Ah ouais, c'est le jeu qui demande beaucoup d'entraînement pour aller se brosser les dents. Donc là, on est dans le prologue, vous l'aurez vu quand j'ai écrasé la partie. En même temps, on va pas commencer par l'épilogue, ce serait bizarre. Tu vas me dire qu'en deux coups de rasoir, il a réussi à tous raser la partie gauche, là. Putain, c'est quoi ce mec? Ouais, quatre petits coups et c'est bon, tout est parti. Et badass, hein, le mec. Bon, bah, on prend pas un bain, on va prendre une douche. Bon. Pourquoi il y a un caméraman qui est en train de me suivre? Alors ça c'est le mouvement que j'ai un peu du mal à faire rapide. Non, généralement je fais très lentement. À moins que ouais, comme ça peut marcher aussi. Non, vous voyez pas comment j'ai fait. J'ai juste fait avec une main. Je me suis dit peut-être qu'avec une main ce serait plus rapide parce qu'avec les deux mains j'arrive pas. Ça m'a fait du bien de prendre une bonne douche. Je me sens presque réveillé. Je suis propre. Je peux aller m'habiller maintenant. Donc il y a un petit écho, c'est la télé qui le fait, mais bon. Appuyez sur R1 pour changer d'angle de vue, et c'est raison pour explorer l'environnement. Ouais. Je préfère cet angle de vue, hein. Je vous dis, je changerai quasiment jamais hein, d'angle de vue. Je devrais m'habiller avant de descendre. Ouais. Eh, bonne idée. Bonjour, voisin. Oui, je suis en caleçon, et alors? Ah, une bonne journée d'été, hein. Fait pas la différence. Bon, ouais. Comme il tire la vie, hein. À l'arrache. Voilà. J'ai mis un pantalon et l'autre truc est arrivé direct. Bon, bah voilà. On a une belle petite chemise. J'ai un peu de temps avant que Grace et les enfants n'arrivent. Je vais en profiter pour travailler un peu. Donc là, on va aller travailler un peu, comme le dit le truc. Donc on va aller s'amuser à faire quelques trucs avant que Grace arrive. Et oui, il y a un... Il fait un temps magnifique dehors. Je pourrais en profiter pour aller un peu traîner dans le jardin. Je pourrais mettre un peu de musique. J'ai soif. Il doit y avoir du jus d'orange dans le frigo. Je crois qu'une tasse de café me ferait du bien. On étouffe ici. Un courant d'air ferait du bien. J'espère que Grace aura trouvé le cadeau pour l'anniversaire de Jason. Il y a peut-être quelque chose à la télé? Ouais. Je pourrais m'asseoir sur le canapé et me détendre en attendant que Grace et les enfants reviennent. Sauf que on va travailler. Première chose. Et là, on a un temps limité pour faire le maximum de choses. Mais on n'aura pas le temps de tout faire. Hein. Donc là, on va déjà travailler. Hein. Et oui, comme ça, le plan, il est fini. Ouais. Oh, que c'est trop beau. Oui, parce que visiblement, donc, notre héros est architecte.
J'adore la musique. Bon, allez, on va continuer. Allez, le petit feutre noir. On repasse. Et on repassera par là. Oh, allez, on maintient en foncé. L1. Il faut pas que je confonde vu que j'ai pas l'habitude de la manette, cette manette, donc faut pas que je confonde. Oui, on aura souvent besoin de maintenir plusieurs touches. Oui. Bon, allez, L1. Et X. Bon, allez, vas-y. Et on va tout gommer parce que on a fait ça pour rien. Et donc là, on apprend tous les types d'actions qu'on peut faire. C'est-à-dire, on peut maintenir plusieurs trucs en même temps, faire un simple coup, appuyer à répétition, voilà. On apprend tout ce qu'on peut faire. Oui, parce que comme Fahrenheit et le prochain, enfin, Beyond, tout machin, voilà, c'est basé sur les QTE. Donc, histoire interactive, voilà, film interactive et tout. Bon, allez, vas-y, on continue. Et là, le dernier type de mouvement, c'est les trucs comme ça avec la manette. Ouais, faut secouer. Ouais. C'est là qu'on voit qui c'est qui est pro de la branlette. Non, rien. Laissez tomber ce que je viens de dire. Bon. J'espère qu'on l'aura bientôt fini, ce putain de truc. Allez, vas-y. What, qu'est-ce qu'il me demande? Donc là, on aura des fois ouais, deux trucs différents en même temps. Sur les plans. Ça devrait être terminé pour lundi. Bon, voilà. Donc, on peut faire différents trucs comme ça, comme vous pouvez voir. Attends, qu'est-ce qu'on peut faire là? C'est beau. Donc voilà, on pourra faire. Il y aura différents types d'actions des fois en même temps. Ouais, l'architecture, si on lisait un petit peu. Bon, on voit qu'il est heureux de faire son métier, lui. Hein. Il y en a beaucoup, c'est pas le cas. Hein. Bon, là, on va aller boire un petit coup. On va aussi aller ouvrir ça, parce que c'est vrai qu'il fait chaud. Allez, vas-y. Et maintenant, on va aller boire un coup. Avant que les enfants n'arrivent. Attends. Voilà. Bon. On va boire le jus d'orange. Là, il y a le gâteau d'anniversaire pour l'un de ses fils, Jason, ouais. Non, pas Voorhees, hein, pas Jason Voorhees, ce serait trop con, hein. Jason, pas celui avec le masque de hockey. Ah bah, ça me rappelle un groupe. J'adore, il y a eu le bruitage quand il boit, mais avant qu'il ait commencé à boire, c'était con. Hein. Moi, je trouve bien. Ouais. Allez, et si on jouait avec un un petit jouet là. Et on va finir en allant regarder la télé. Parce que vraiment on a que ça à blander. Et attends, on va mettre un peu de musique quand même. Allez, on va regarder la téloche. Ou pas en fait. On va se barrer. Le mec il allume tout pour rien. C'est le mec il écoute même pas. Allez, vas-y, on va aller dehors. Allez, ça, c'est... Pourquoi on aurait ouvert si c'est pour rien foutre? Allez, vas-y. Allez, on s'entraîne au combat. Ça, on va égorger quelqu'un.
Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tartignouf. Nom de tseuse. Des belles plantes. On est architecte et on est architecte. C'est peut-être nous qui avons fait notre propre maison. Voilà. Là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on s'en branle totalement? Oui, on s'en branle totalement. Oh, il y a quelque chose par terre. Ouais! Putain. Ah! Voilà la famille qui arrive. Vous allez me faire tomber. Ah, alors, c'est le grand jour, hein? C'est aujourd'hui que je vais être grand. 10 ans, c'est pas encore tout à fait grand, mais tu t'en rapproches. Je vais pouvoir conduire ta voiture? Je crois qu'il va te falloir encore un peu de patience. Et Pam, tu peux m'aider, s'il te plaît? J'arrive. Donc là, on va maintenir les plusieurs touches, là. Voilà, parce qu'on est un mari modèle. Ah, ils sont tous excités depuis ce matin. J'arrivais plus à les calmer au supermarché. Et toi, ça va bien? T'as réussi à travailler un peu? J'ai pas mal avancé sur les plans. Encore quelques détails à régler et on devrait être prêt à présenter le projet immobilier au client. Oh, j'ai un milliard de choses à préparer. Ça sera jamais prêt avant que les copains de Jason arrivent. Tu peux me donner un coup de main? Il doit y avoir des assiettes dans le buffet du salon. D'accord. Pas de problème, je m'en occupe. Les assiettes sont dans la commode du salon. J'ai dit à Grace que je m'occupais des assiettes. Je jouerai avec les enfants plus tard. Allez, vas-y. La porte se coince souvent. Ouvre d'un coup sec. Fou. C'est le service que nous a offert ma mère. Fais-y attention, d'accord? T'inquiète pas, je voudrais pas être responsable d'un incident diplomatique avec ta mère. C'est là que je les pète tous. Allez, vas-y. Et hop là. Et hop là. Et... ta-da! Allez. Content d'avoir terminé mon travail. Je vais pouvoir me détendre et profiter de la journée. Allez, jouons. Donc on va aller jouer avec ça nos y est, enfants. Je suis libre comme l'air. Les garçons, ok? Après, il faut qu'on déjeune. Les invités de Jason vont okay, arriver. Ok, promis, maman. Qui veut commencer? Moi d'abord. Non, moi d'abord. Moi d'abord. Du calme, on va faire chacun son tour. Vu que c'est l'anniversaire de Jason, on va faire Jason. Allez, viens, Jason. On va faire l'hélicoptère. Vas-y, on va réussir. Allez, allons-y. Ok, chaud. Tu es prêt? C'est parti! Ouais! Ouais! Dans le pot de fleurs! Non! Allez, et on va cogner contre Jason. Avec Shaun. Shaun of the Dead. Ah! Non. Et poum! J'ai cru qu'il allait faire tomber. Attention, accrochez-vous. Cette fois, t'es foutu. Tu vas payer pour tous tes crimes, capitaine Papa.
cette fois, je crois que tu peux faire des prières. Et là, on va faire exprès de foirer. Pour faire gagner le fils. Enfin, on va essayer, mais vu qu'il a pas l'air de vouloir. Ouais. C'est rien. Même pas une égratignure. Oui, ça permet normalement de débloquer quelque chose si on réussit à perdre correctement. Ouais, Jason, continue. Ouais, génial. Allez, Jason. Ouais, génial. Ouais. Ouais. C'est prêt, les enfants. Vous rentrez. On arrive. Voilà. Allez, on va manger. Enfin, il était pas censé y avoir des invités. Le déjeuner est prêt. Je vais le chercher. Mais où est peut-être bien-être Sean? Pourquoi est-ce que Sean n'est pas à table? Il doit pas être très loin. Bon, on va aller chercher l'autre fils. Ouais, je suis bourré. Où est-ce qu'elle est la sortie? Où est-ce qu'elle est? Ah là là, allez, on va monter de en haut pour voir s'il y est. Bonjour. Sean. Ah bah le voilà. Sean, Sean. Sean. Qu'est-ce qui se passe? C'est Merlin. L'enchanteur? Il est mort et c'est de ma faute. Mais non, Sean, tu n'y es vraiment pour rien. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'il vive encore un peu. Tu sais, Sean, certaines choses doivent arriver. Même si on ne veut pas. C'est pas juste, papa. C'est pas juste. Je sais. Je sais. Ouais, l'oiseau est mort, alors qu'il était encore vivant il y a quelques minutes, mais oui, pourquoi pas. Ouais, je sais pas, il y a des bugs de temps en temps, surtout dans ce niveau. Je voudrais jeter un coup d'œil aux chaussures pour Sean. Vous nous attendez une minute avec Jason? Promis, on n'en aura pas pour longtemps. Bien sûr, pas de problème. On bouge pas d'ici, hein, Jason? Viens, mon gars. Oui, bon, je sais, il y a un petit bug. Ouais. Cherchez pas, hein. Ouais, il y a eu un petit bug, désolé. Enfin, moi, il était pas aussi grave le bug quand il est arrivé. Jason! Je parie que Jason est allé voir le clown. Il doit pas être loin, il était là il y a une seconde. Il est juste là-bas en fait, hein. Je parie que Jason est allé voir le clown. Jason! Donc là, dans le magasin, on peut y rentrer et on peut voir la femme là en train d'acheter les trucs. Jason! Eh hey, bonjour toi, t'as l'air Jason. Mignonne. Toi aussi t'as l'air mignonne. Jason! Jason! Mais Jason. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Jason! Jason!
Jason. Pourquoi faut que... Jason. Jason. Enfin, pourquoi faut que les enfants n'écoutent jamais? Jason. Ok, des petites chaussures. Bonjour. Bon, v'là un clown. Jason, tu ne devrais pas t'éloigner, tu sais. Il y a beaucoup de monde. Dis papa, je pourrais en avoir un. J'en voudrais tellement un. S'il te plaît, papa, allez. D'accord, on va acheter un ballon. Super. Hé, hey, mon grand, comment tu t'appelles? Jason. Quel ballon te ferait plaisir, Jason? Le rouge. Le voilà. Ça fait $2, monsieur. Jason, attends-moi. Attends papa à lapin. Il y a vraiment beaucoup de monde. Monsieur, vous me devez $2. Ouais, bon, allez, vas-y, on va chercher les dollars. Tenez, gardez tout. C'est impossible d'essayer une paire de chaussures avec tout ce monde. Oui, Jason? Il était là il y a une seconde. Je lui ai acheté un ballon. Le temps que je me retourne, il avait disparu. Disparu? Comment ça, disparu? Ne bouge pas d'ici. Je vais le chercher et je reviens. Bon, attends. Jason! Putain, il y a notre fils qui s'est fait la malle, enfoiré. Jason! Salut, toi, ça va? Il est dans quelle direction il est parti? Il a peut-être vu dans quelle direction Jason est parti. On va le retrouver, Ethan. Oui, Jason. Avec tout ce monde, il va se perdre. Oui, donc là, il propose d'aller voir le clown. Tu calmes. Il n'a pas pu aller bien loin, je vais le retrouver. Un ballon rouge. La dernière fois que j'ai vu, il tenait un ballon rouge. Non, ça dit que c'est celui que tu l'as acheté. Une seconde. Je l'ai quitté. Où, Jason? Vous avez vu mon petit garçon? Celui à qui vous avez donné le ballon? Je sais pas, il était pas avec vous? Oh, connard de clown! Jason! Donc à cause du clown là qui voulait à tout prix qu'on lui file l'argent, ben on a perdu notre fils. Et donc, peut-être parce que aussi cet idiot. Vite, il faut que je descende maintenant, sinon je vais le perdre dans la foule. Ouais. Donc c'est malin hein. À cause de ce clown. Et aussi un peu de notre fils qui fait plein d'idioties, voilà. Ah, allez, on va le retrouver, on va le retrouver, Jason. Jason! 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 Donc, on va aller voir le ballon rouge, là, qu'on a vu. Ouais, vas-y, on va sortir. Jason! C'est quoi le problème? Jason! Merde, je vais le perdre. Je vais le perdre. Je n'aurais jamais dû le quitter des yeux. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Le ballon rouge. Il faut que je suive le ballon rouge. Je vais le retrouver. Je vais forcément le retrouver. Il s'est perdu. Il se fait emporter dans la foule. Hé hey, Jason! Tu m'as fait une deuxième. Bon, on s'est planté de gamin. Oh, mais... J'adore. Le foutage de gueule. On y était, il n'y a même pas une seconde à la sortie. Hein. Jason! No!
Et Ethan, il compte pour de la merde? Non, c'est la première chose que j'ai pensé quand j'ai vu ce passage. Je sais, elle se précipite vers Jason, son fils, mais bon, le père, il compte pour de la merde. C'est pas... C'est, il s'est aussi fait percuter, hein. Bon...